On va encore parler d'Ousmane et lui. Je suis en live sur TikTok en même temps sur Facebook, sur la page, sur ma page Fatoumé Lui. Voilà. Donc, je suis en live sur TikTok et sur Facebook en même temps. Donc, on va parler de Ousmane Lui Diallo. Mon petit frère qui a été kidnappé, enlevé depuis le 14 novembre 2024, 23 heures, heure de la Guinée-Conakry. Voilà. Avant de commencer, j'ai vu vos appels, j'ai vu vos messages. Sincèrement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà. Je vous dis merci. Merci pour votre soutien inconditionnel. Merci pour votre amour. Merci pour tout. Voilà. On va parler. Voilà. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Parce que là, je veux vraiment parler. Je veux parler. J'ai envie de parler et je vais parler. Voilà. Donc, les abonnés de TikTok, vous allez bien? Voilà, merci pour vos messages. Merci, je vois vos messages. Merci pour le soutien. Merci, je vois vos lives et tout. Merci vraiment, merci. Voilà, donc, je suis en même temps sur Facebook, en même temps sur TikTok. D'abord, partagez le live. Bonjour, Bala Samoura. Encore bonjour, Bala Samoura. Bala Samoura. Bala Samoura. Bala Samoura. Je t'ai appelé combien de fois? Trois fois. N'est-ce pas? D'accord. Ça, c'est tout ce que je dis. Hein? Je t'appelais trois fois. Et je te dis bonjour, Bala Samoura. Et passe mon bonjour à la personne avec qui tu es là-bas. C'est tout ce que je dis. Je dis rien. Voilà. Et la famille, CNRD, je m'adresse à vous. Je m'adresse à Mamadi Doumbouya. Je suis là, je te parle, toi, Mamadi Doumbouya. Et je parle au CNRD. Et je parle aussi aux frustrés, les ethnos qui sont avec Mamadi, qui sont frustrés, qui sont contre moi. Parce que je ne suis pas dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. C'est à vous. Mon direct là. Je sais pas si vous connaissez la personne que vous voyez sur les réseaux ici. Vous ne me connaissez pas. C'est pourquoi vous cherchez à m'intimider. Si moi, vous me connaissez, wallahi billahi, vous n'allez pas tenter à m'intimider. Parce que quand tu penses à m'intimider, c'est là que tu me donnes la force à t'affronter. Hey, vous me connaissez très mal. Je n'ai peur de personne. Je dis moi, Fatoumé Lui. La maman des pauvres. Quand j'aime quelqu'un, quand quelqu'un m'aime, je t'aime. Tu me considères, je te considère. Tu me respectes, je te respecte. Si ce n'est pas le cas, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu ne veux pas de moi, je ne veux pas de toi. Il n'y a même pas de discussion. Et personne ne peut m'intimider. Personne ne peut, moi, me faire peur. L'arrestation d'Ousmane Nielui, le kidnapping d'Ousmane Nielui, c'est bien fait pour lui. Vous pensez que moi, je vais venir pleurer ici? Je ne vais pas pleurer. Il mérite ce qui est en train de l'arriver. Comme il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Donc, tout ce que Nielui est en train de subir aujourd'hui, il le mérite. Parce que j'ai dit à Ousmane Nielui, c'est lui qui a confiance à Mamadi et au CNRD. Moi, je n'ai jamais eu confiance à ces gens-là. Et je n'aurai jamais confiance en eux. C'est pourquoi il a tout fait. Ousmane a tout fait pour me négocier. Hein. Rentre, laisse tomber. Je dis, je ne rentre pas. Vous savez, quand Nielui a été arrêté ici, je venais, je faisais des larmes, je pleurais, c'était pourquoi? Parce que, pour moi, à l'époque, Mamadi Doumbouya, un malinqué de Cancan, ne peut pas nous faire ce qu'il nous a fait. Je ne pensais pas qu'un fils de Cancan, avec tout l'amour qu'on a eu pour les gens de Haute-Guinée, qu'un malinqué
de Haute-Guinée allaient nous faire subir ce qu'on a subi. Je m'attendais à tout sauf ça. Donc c'est ce qui me faisait mal, la trahison, la déception des personnes pour qui on s'est sacrifié en fait. Je m'attendais que si un jour quelqu'un va me faire ce mal, c'est quelqu'un de ma communauté qui allait moi un jour nous faire du mal, mais pas une autre ethnie de la Guinée, à plus forte raison un Malinké. Donc c'était ça. Alors c'est pourquoi je pleurais. Alors je suis en live, I'm busy. La use de mon, la use de téléphone ma, s'il te plaît. Donc c'est pourquoi je pleurais en fait. C'est pourquoi je t'ai, c'est que ça me faisait mal. J'avais mal, j'avais très mal parce que je me dis, ah, des gens avec qui on a tout fait. Le RPG, parce que le CNRD, le RPG, les frustrés du RPG qui se trouvent dans le CNRD. Je dis, tout le monde pouvait nous faire du mal, sauf un RPGiste, même si tu es frustré. Ce n'est pas nous qui a fait que tu sois frustré. On n'a rien fait du mal. Nous, on a quitté un parti politique pour venir. Et on a quitté un grand parti politique où notre papa était père fondateur de l'IFDG pour venir rejoindre le RPG arc-en-ciel. Donc c'est pourquoi j'étais dans l'état que les gens pensaient que j'étais folle. Elle était malade. C'est la déception. Je ne m'attendais pas qu'un Mamadi Doumbouya, un fils de Kankan, un Malinké pouvait nous humilier devant notre communauté Peul qui nous ont traités ici. Ce n'est pas toute la communauté, mais les 98% de notre communauté nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Donc, je m'attendais à l'humiliation de ces gens-là. Mais tout le monde pouvait nous faire mal, sauf un RPGiste. Quelle qu'en soit ta frustration, nous, on n'a rien fait, sauf venir imposer certains respects à certaines. On est venu montrer aux gens. Moi, je suis démocrate et on ne peut pas parler de la démocratie sans que tu ne sois démocrate. Et la démocratie, ça commence où? C'est d'accepter le choix de l'autre. Et nous, on est venu imposer au sein de notre communauté Peul pour dire qu'aucun Peul ne doit quoi que ce soit à ses loups ou à l'IFDG. On est Peul, on est libre d'aller soutenir qui on veut. Et on a maintenu cette position et on a assumé les conséquences. Donc, nous, on n'a rien fait sauf se défendre. Et moi, je vais toujours me défendre. Et je me défendrai devant les personnes qui se croient fort. Moi, je sais qu'il n'y a pas un être humain fort. Il n'y a pas un homme fort. Le pouvoir de Pharaon est fini. Il n'y a que le pouvoir de Allah, le Tout-Puissant, le Créateur. Il n'y a que son pouvoir qui va rester et demeurer. Le reste là, c'est du woba woba. L'homme peut avoir des moments forts. Mais quand un homme a des moments forts, c'est en ce moment que tu dois être attentif. C'est en ce moment que tu dois être... Tu dois faire beaucoup attention, parce que c'est au moment où que tu te crois fort là, tout peut basculer, tout peut arriver. Et fais en sorte que, et dis-toi que c'est pas toi qui es fort. S'il y avait un homme fort, tu allais mourir fort, mais il n'y a jamais eu un homme fort. Donc quand tu as eu des moments forts, c'est en ces moments-là que tu dois préparer ton domaine faible. Quand domaine tu es en position de faiblesse là, et que les gens vont te voir et t'aimer, te respecter, et que tu sois humble dans tes moments forts. C'est en ce moment que tu dois être humble, parce que demain, là, ça appartient à Dieu. Hier, là, on peut en parler. Même aujourd'hui, on ne peut pas parler. Je ne peux pas vous dire, je suis les 15h chez moi ici aux États-Unis. Je ne peux pas vous parler de ce qui va se passer à 17h, 18h. Qui sait si je serai en vie? Donc, à un moment donné, quand on a des moments forts, soyons humbles. Dans CNRD, je me suis défendue. Vous savez pourquoi je fais ce direct? Nielo a été kidnappé parce que tout simplement, il a enlevé, il a montré son passeport. Et c'est la deuxième fois. La première fois que Nielo a été enlevé, il a été enlevé aussi parce qu'il avait montré son passeport qui voyageait. Tu sais, moi j'ai dit à Nielo,
Je dis, Nyeloy, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas la valeur des Nyeloy. En Guinée, tu ne peux pas parler des Nyeloy. C'est que... Et puis après, ils vont te dire, on ne les a pas rencontrés dans la vraie vie, mais on les a vus sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas parler de l'IFDG sans parler des Nyeloy. Tu ne peux pas parler de RPG sans parler des Nyeloy. Oui, c'est un don. C'est Dieu qui nous a donné. Nous, là, on est avec... C'est que l'amour de Dieu, là, Allah nous aime. Donc, quand on va t'aimer, toutes les personnes que Dieu aime vont t'aimer. Mais quand on ne t'aime pas, là, tu ne peux rien. Aujourd'hui, l'arrestation d'Ousmane Nyeloy, il le mérite. Parce que si vous voyez quelqu'un qui est naïf, qui est bête, que tu vois Ousmane, retourne-toi. Tous ses combats, il a perdu. Il a perdu tous ses combats parce qu'il est trop bête, parce qu'il croit aux gens. Parce qu'il pense que CNRD est comme Alpha Condé qui nous a aimés. CNRD, quand quelqu'un t'aime, tout ce que tu vas faire, il va te soutenir, te supporter. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, il s'en fout. Moi, avec les gardes, quand il y a eu les gardes qui ont pris moi mon sac, quelque chose qui n'est... Voilà, il n'y a rien, ce n'est pas mes gardes. Je suis allée dans un endroit, j'ai rencontré, s'il vous plaît, les modos sur TikTok ici, restez là. Et puis après, voilà, vous bloquez les gens, hein, les modérateurs, bloquez-moi les gens sur TikTok, ceux qui viennent faire des conneries, parce que je suis plus concentrée sur Facebook aussi, donc bloquez les gens pour moi, ceux qui viennent écrire du n'importe quoi. Voilà, bloquez-les. Non, on n'a pas les nouvelles d'Ousmane. Bon, Bala Samoura, bonjour. Bala Samoura, bonjour. Bala Samoura, bonjour, je dis ça et je dis rien, donc je me limite là. Voilà. Voilà, laissez-moi parler ici. C'est ici qui est intéressant. Ok. Nyeloy a perdu tous ses combats. Parce qu'il croit aux gens du CNRD. Parce que dans sa tête, comme ce sont ses grands dans le passé, c'est des gens à qui, voilà, et il n'a pas compris. Ce sont des frustrés, des haineux qui sont au sein du CNRD. C'est des traîtres. Ils ne vont pas nous aimer. Ils ne vont pas nous aimer. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure là concernant Ousmane? Il a perdu tous ses combats et il va perdre tous les combats. Quand les militaires, les gendarmes, j'ai rencontré un jour les gendarmes quelque part, c'était pas mes gars. Je prends, comment je dis, ils ont pris mon sac. Vous avez vu ce que ça fait? Vous avez vu même le ministre de la Défense la sortie qu'ils ont fait contre moi. Il y a eu toutes les menaces, les gens ont parlé. Le président Alpha Condé m'a appelé. Fatou, je dis oui papa, ça va, je dis ça va papa. Je suis le président de la République et je suis aussi le président du RPG, Arc-en-Ciel. Je suis ton père, reste tranquille, je vois tout ce qui se passe sur toi, le fait que les militaires ont pris ton sac. Prochainement, ne faut plus le refaire parce que l'image n'est pas bonne à l'international pour nos militaires. Ne faut plus jamais répéter des horreurs comme ça. Mais reste calme, rien ne va t'arriver, ok? Je dis d'accord, papa. Il dit tu as mon soutien et bonne soirée. C'est ça, quand tu soutiens quelqu'un, il te soutient. Moi, je vais soutenir quelqu'un qui ne me soutient pas. N'araba fakaya. Moi, Fatoumé, je ne soutiens jamais quelqu'un qui ne me soutient pas. Donc Alpha m'a soutenu, ça m'a soulagé. Et puis rien n'est sorti. Parce qu'ils ont voulu que je sois ridiculisée, en fait. Imaginez à l'époque, on dit que Fatoumé est à la DPJ parce que, voilà, Fatoumé a des sanctions parce que. Et il y avait l'IFDG qui était là sur moi, il voulait ma peau. Tout ce qui allait humilier les Nyeloy, c'est ce qu'il cherchait. Mais ça n'a pas marché. Grâce au président Alpha Condé, alhamdoulilah. Donc moi, il y a des choses là, jamais de la vie. Alpha Condé, on va être en guerre. On se fâche, hein? Je vous ai dit la dernière fois, moi, c'est moi qui suis sortie dire qu'on est en guerre. Oui, on est en guerre. Parce que je l'ai dit la vérité. Parce que je l'ai dit pourquoi il se permet d'appeler certaines personnes qui ne méritent pas son appel. Et je l'ai dit pourquoi les gens continuent à le mentir et puis ils croient à ça. Je l'ai dit, reposez-vous, papa, votre âge aujourd'hui, là, c'est le repos qui est bon pour vous. Et c'est ça la vérité. Je le dis la vérité. Je suis créée pour dire la vérité. Je ne cherche pas quoi manger. Je ne mens pas à quelqu'un.
Je te dis ce qui est bon pour toi. Demain là, si tu le fais, alhamdoulilah, tu ne le fais pas, tu vas me dire, ah, Fatou m'avait pourtant dit. Je préfère ça que de venir, ah, j'ai voulu te dire, mais tu sais, non, 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 c'est pas moi. Voilà. L'arrestation de Nguelo, je suis très, aujourd'hui là, il le mérite. Ça ne me fait pas mal, ça ne me fera pas mal. Non seulement, parce que là, Alpha Condé, on est en guerre, papa, il dit que nous sommes du CNRD. Donc là, il a compris à travers le kidnapping d'Ousmane Nguelo. Ousmane Nguelo, moi, je ne suis pas du CNRD. Nguelo m'a dit clairement, Alpha, maman dit, c'est Alpha, c'est normal. Il m'a dit, tout fois, moi, maman dit, ne m'a rien fait. Je dis, pourtant, maman dit, t'as fait quelque chose. Mais il n'arrive pas à comprendre que maman dit, ne l'aime pas. Il n'arrive pas à comprendre que Bala ne l'aime pas. Bala, il a toujours cherché à nous réconcilier, Nguelo. Je dis, non. Parce que toi, Bala, tu sais bien qu'on était comme ça. Toi, Bala, tu savais que je devrais rentrer en Guinée. Et c'est toi qui m'as dit de venir après aussi. Tu sais que j'avais le programme le 9 septembre en Guinée. Toi, Bala Samoura. Il y a eu le coup le 5 septembre. Tu sais, on parlait, il y avait un petit albinos qui voulait être gendarme. On parlait de ce petit, je voulais lui mettre. Donc, tu sais, j'avais même acheté des choses pour toi, une montre, Bala, les sticks, des parfums. J'ai acheté plein de trucs pour toi, ton cadeau, tu sais, et je t'avais demandé, je t'ai même demandé les débardeurs et puis les shorts. Je t'ai demandé la pointure, tu portes combien, tu m'as dit. Tu sais ça, Bala Samoura. Je sais très bien. Et quand il y a eu le 5 septembre, le coup d'État, le 9 septembre, tu sais déjà que je devrais voyager. Après, je t'ai dit, tu m'as dit, ah, tu n'as pas de problème avec les gens, tu peux venir. C'est ton encouragement là qui m'a amené en Guinée. Et c'est toi qui as voulu nous, moi, me mettre en prison. Ils ont dit ici, quand Nguelo a été arrêté, ils ont dit que c'est Amara qui a mis Nguelo en prison. Ils ont dit que c'est Tcherno Souleymane, bah, le peuple là, qui a mis Nguelo en prison. Chacun a dit pour lui. Je dis, c'est faux. Amara, je ne l'ai jamais connu. Il ne peut pas avoir quelque chose contre nous. On ne se connaît pas. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un que tu ne connais pas. Balance Amoura, le jour où tu as appelé, je ne vais pas dire qui, mais le jour où tu as appelé deux magistrats. Et quand tu as appelé ces deux magistrats, j'étais avec ces deux magistrats, j'étais dans leur bureau. Quand toi, Bala, tu as dit à ces magistrats de condamner Ousmane Nguelo. Tu as fini, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as appelé les magistrats, tu les as dit de libérer Ousmane Nguelo. C'est que tu m'as fait rire en fait. Je dis, mais le gars là, il pense que c'est quoi? C'est à partir de là, j'ai arrêté de t'appeler, j'ai arrêté de te dire, hé hey, Bala, regarde, regarde, hé hey, Bala. Le cas d'Ousmane, c'est bon. Il a été condamné pour la première fois. Maintenant, c'est arrivé à mon tour. J'ai dit à Mamadi, hey, Mamadi Doumbouya, on veut me condamner. On veut même me tuer et tout ça là. Vous savez pourquoi je parle de ça? C'est parce que je vois des gens que, écoutez, hein, Nguelo a été enlevé parce que tout simplement, Nguelo a pris son passeport, il a montré qu'il veut voyager. Donc, il ne faut pas que Nguelo fait comme moi. Il sort, il attaque le CNRD. Moi, j'ai attaqué le CNRD. J'ai mes raisons personnelles d'attaquer le CNRD. Ce n'est pas le CNRD qui m'a aidé à quitter le pays. Le CNRD pouvait me dire, Fatou, tu es américaine, tu as tes papiers, on va t'aider à sortir. Comme les gens l'avaient humilié et tout. Donc, je quitte le pays. Je passe par l'aéroport dans la plus grande discrétion. Et puis, je prends mon vol. Je viens aux États-Unis. Là, je sais que c'est le CNRD qui m'a aidé à sortir. Ils m'ont sauvé. Et j'allais venir m'asseoir, les soutenir. Ça ne s'est pas passé. Hein? Il y a eu des gens qui ont commencé à appeler. Les personnes qui étaient censées me protéger ont dit que Kolobali, Molobali, le Demousso, Odi. C'est une impolie. C'est une petite qui est impolie, qui n'a pas honte. Kolobali, molobali, le fatunye loïdi. Quand vous avez dit ça, des personnes sur qui je comptais, qui pouvaient vraiment m'aider pour que moi j'épargne au moins, c'est ça que vous avez dit. Et quand il y a eu la plainte, je devrais répondre le 12 janvier. Ils ont amené, ils ont fait décerner un mandat d'amener le 10. Je dis non, là c'est grave.
Ils n'ont même pas attendu le 12 pour que je vienne répondre. Ils ont décerné un mandat d'amener. Et avant ça, il y a eu deux civils qui sont venus, ils ont voulu me tuer à mon appartement. Il y a un petit qui m'a appelé pour me dire, Dja, tu es où? Il y a des gens qui ont quitté quelque part ici, il m'a dit l'endroit. Il vient chez toi, donc quitte chez toi. Je suis sortie de la maison le 10 janvier 2022. J'ai quitté la maison chez moi. Quand j'ai quitté chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, ce jour-là, Sili National jouait pour les qualifications ou quoi même là. En tout cas, il y avait Sili National qui jouait. C'est à cause de l'embouteillage qui s'est tenu ce jour-là en ville que les personnes qui étaient censées à venir me tuer ne m'ont pas trouvé à la maison. Et quand ils sont venus, ils ont tout fait pour rentrer avec le visil, ça n'a pas marché. Le visil a refusé. Maintenant, après, comme ils n'ont pas pu, ils ont même arrêté ce visil. Ils sont allés dire à Bala d'envoyer des pick-up de gendarmes, de rester chez moi. 4 pick-up étaient devant chez moi. Parce que dans votre tête, j'étais là-bas. Je suis sortie, j'ai laissé ma voiture. Je suis la fille de Alpha Condé. Je connais la politique. Je dis, moi, je peux vous revendre. Si moi, j'avais 2 personnes comme moi, qui sont intelligentes, smart comme moi, j'allais revendre même Simandou là et puis manger l'argent. Tellement que je sais que ma tête là, elle est posée. J'ai laissé mes 2 voitures. Donc pour vous, j'étais là-bas, je suis sortie. De là-bas, j'ai cherché à quitter le pays. Je suis partie. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, ici, quand je suis arrivée aux États-Unis ici, je suis restée 2 semaines voir qu'est-ce que le CNRD va faire. Est-ce qu'ils vont donner raison à l'IFDG contre nous, les Nyeloi? Est-ce qu'ils ne vont pas se mêler du problème? Ils vont laisser entre nous et que la justice va faire son travail? Parce que avant que je ne sois condamnée, la semaine, il y a une semaine, la justice s'est prononcée que leur et parquet n'est pas un règlement de compte. Donc, les Nyeloi étaient censés être relâchés. J'étais très contente. Donc, s'ils avaient laissé la justice faire le boulot, je n'allais pas être condamnée 4 ans. Mais vous, vous êtes malade, hein? Je suis sortie de la Guinée. Je suis allée. Je suis passée. Il y a des jours, je ne dormais pas. Et je vais vous dire, je suis passée par Bamako. Vous savez pourquoi je suis passée par Bamako? Parce que tout simplement, à l'époque, il y avait... Le Bamako était sur Mali, Bamako était sur embargo. Donc les gens ne pouvaient pas imaginer que j'allais passer par Bamako parce qu'il n'y avait que 2 vols qui venaient. Tout le monde est allé m'attendre vers Sierra Leone, Sénégal, Guinée-Bissau, Abidjan. Ce sont le fief de l'IFDG et puis voilà, CNRD aussi. Donc, je me suis cachée. Je suis venue à Bamako. Et tellement que Dieu voulait me sauver. Wallahi billahi tallahi. Tellement que Dieu voulait me sauver. Quand je suis venue à l'aéroport, j'ai posté, allez, j'ai sur mon TikTok, Fatou Nyeloi Diallo. J'ai une vidéo où je suis à un pull bleu-blanc. C'est ce jour où je suis sortie de la Guinée, de Bamako. Quand je suis sortie, quand je suis arrivée à l'aéroport de Bamako, tellement que Dieu voulait me sauver. Parce que moi, je me dis ici, mais est-ce que ce n'était pas un ange que Dieu a envoyé vers moi? Quand je suis arrivée, il y a un monsieur, je suis rentrée à l'aéroport. J'étais là pour aller faire les formalités. Il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il me dit qu'il s'appelle Shérif Haïdara. Je dis, ok. Il me dit, tu veux voyager? Je dis, oui. Il dit, ok, viens, je vais t'aider à faire les formalités. C'est comme s'il savait que je me cachais. Il est venu, on est allé là où on fait les formalités de gens VIP. Business class. Pourtant, mon billet était économique. Il a fait mes formalités. Quand il a fini de faire mes formalités, il me prend, il m'envoie dans la salle VIP. Ce que je dis, ah non, je dis là, parce que moi je lisais le nom d'Allah. N'oubliez pas, hein, quand tu appelles Allah, il vient. Moi je ne suis pas comme Nyeloi. Nyeloi, ceux qui connaissent, femme et chicha. Moi je parle. Moi je. Il y a les noms de Dieu que je dis souvent. Hein? Je dis, voilà, j'appelle Allah, viens à mon secours, Dieu, l'unique, le puissant, le tout-puissant Allah. Hein? Le maître des maîtres. Oui. Oui, oui, oui.
Le juge des juges, le suprême des suprêmes, Allah, le Kumfa Yakoun, hein? Il y a Hifizou, il y a Hafizou. Et puis il y a le nom d'Allah. Quand tu dis, je dis, c'est Allah même et ses anges qui te surveillent. Donc il y avait ça dans ma bouche. Je suis allée, j'ai fait mes formalités dans, la vie, dans une salle vieille. Puis je suis allée m'installer dans le business class. Pourtant, j'avais bien économisé. C'est là, c'est que c'est Dieu qui avait répondu à l'appel de Fatou Mieloué, en fait. Et je suis venue monter. L'avion est là, je suis montée dans l'avion. Quand je parle de ça, à chaque fois que je veux parler de ça, je veux faire deux rakas encore. Ce que je veux mettre ma tête encore, je veux mettre ma tête pour encore Allah, pour le dire Allah, merci mon Dieu, merci Allah. Je suis montée dans l'avion, l'avion a décollé, je me suis levée, j'ai fait deux rakas dans le vol, deux rakas. Ouais. Les gens m'ont regardé. On est allé à Addis Abeba. Après Addis Abeba, on a continué sur Irlande. C'est qui est là, là qui veut monter là. Je suis continué sur Irlande. Maintenant, Irlande, Washington. Washington, j'ai pris un vol pour Ohio Columbus avec mon sac. J'ai le sac là, ici. Le sac avec qui je teste. Le sac, je n'avais que 52 000 francs guinéens. Seulement un sac à main. Et puis mes papiers, je suis sortie, je suis venue. Je suis rentrée ici, j'ai fait deux semaines. J'attendais la réaction de Mamadi Doumbouya, le justice. Parce que votre justice là, j'attendais votre justice. J'attendais votre justice. J'attendais la décision de la justice. J'attendais la décision du juge. Je dis, je vais voir si les gens là vont me condamner. Et Mamadi Doumbouya, tu sais bien, j'avais pris mon téléphone. Je t'ai laissé le message. On me parlait. Tu m'as appelé. J'ai trop aimé ton appel, Mamadi. Quand tu m'as appelé, on a parlé. J'ai aimé ton appel. Et quand on tchatchait, quand je t'envoyais les messages, tu me répondais, ça me soulageait plus que quand tu me donnes quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je cherche en être humain, la considération. Quand je dis, lui, c'est un président. Je l'appelle, il me répond. Ah oui. Je l'écris, il répond. C'est ça, nous, les Nielois, c'est la considération. Moi, l'argent, là, j'aime bien, mais je n'aime pas l'argent de tout le monde. J'adore la considération. Je ne t'ai jamais enregistré. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Je n'ai pas enregistré Alpha Condé. Quand j'étais là et puis il y a des gens, ils parlent des choses que vraiment... Mais je ne vais jamais enregistrer un être humain. Quand la main garde d'enregistrer quelqu'un, je n'enregistre pas. Je t'ai contente de ton appel, de tes appels. Et à chaque fois, on t'a... Je t'ai laissé un message. Je dis, mon frère Mamadi Doumbouya, je dis, grand frère, je dis à Bala de sortir dans nos business. Je dis, on m'a appelé pour me dire que je serai condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Et il y a 15 mois, je dis, grand frère, dis-leur de laisser la justice faire le boulot. Tu m'as dit quoi? Calme-toi, Fatou, reste tranquille. Je te dis, ok, grand frère. Je dis, mais je vais te dire. Donc, vous les papatos là, vous qui cherchez l'attention et l'amour de Mamadi, Mamadi, c'est ce qui est entre nous. Et on est en guerre, lui et moi encore. Parce que je l'ai dit aussi dans le message. Je dis, grand frère, il dit oui. Je dis, quand ils vont me condamner, tu seras dessus de moi. Il dit, reste tranquille. Je dis, ok. Après, on me condamne. Je sors de la Guinée, je viens, je suis là, j'écoutais. Le jour, ils ont condamné Ousmane. Il y avait un gars dans la salle. J'étais en appel vidéo avec lui. J'écoutais. J'attendais là où on dit, ok, là où le juge allait se prononcer, Fatou Mieloué Diallo, Fatmata Binta Diallo alias Fatou Mieloué, non coupable des faits qu'on lui a été reproché, parce que c'est un jure, j'ai répliqué, je me suis défendue. J'allais sortir, soutenir le CNRD. J'allais être une CNRD ce jour-là.
J'allais être dans Mamadi. Et puis moi, quand je suis Mamadi, ce n'est pas venir insulter les gens qui insultent Mamadi. Non, je dis, c'est la photo de Mamadi. Je veux venir parler. Je vais parler de ses projets. Les gens qui ont les... je dis, je vais venir et puis les gens vont m'insulter. Plus vous m'insultez, plus je parle de Mamadi. Plus vous m'insultez, je viens parce que je sais ce que je fais, ça vous fait mal. Et je vais... moi, c'est ça. Mais non, Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Miello, condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme. Et j'ai tué quelqu'un. J'ai détourné quelqu'un. Parce que j'ai fait un cri de cœur. J'ai été insultée. J'ai repliqué aux injures. Je me suis défendue. J'ai défendu l'honneur de mon père. Parce que si ce n'était pas à cause de mon père, pour rien au monde, j'allais quitter l'IFDG. Mais mon papa qui a créé l'IFDG, qui est le père fondateur de l'IFDG, qui avait une relation avec Selou Dalé. Moi-même, j'ai eu à créer mes propres relations avec Selou Dalé. Niel a eu à créer ses propres relations avec Selou Dalé. Donc, nous, là, on avait nos propres relations. Donc, mon papa, qui était ami avec lui depuis des années, qu'il a aimé, qu'il a soutenu, qui est décédé, il n'a pas pu se déplacer et partir. Le lendemain, l'ami de mon père meurt, il se déplace, il est parti. Il a fait son choix entre deux érudits. Et à mon tour, je l'ai écrit, je dis, je ferai mon choix entre deux politiciens. Et j'ai fait ça, je suis allé au RPG, j'ai été insulté, attaqué. Mon père qui est de l'IFDG, qui est mort, l'IFDG n'a pas épargné. Je suis venu sortir, défendre l'honneur de mon père. Et puis vous me traitez d'impoli, quoi. Vous me condamnez parce que oui, je suis venue parler. Après, je suis venue sortir aussi, dire les cris de mon cœur, les choses que j'ai subies, que je n'ai pas appréciées, aimées. Et puis vous dites que non, c'est une menteuse condamnée là. Maintenant que vous êtes en guerre avec IFDG, vous voulez que je fasse quoi? Vous pensez que je vous appartiens? Mamadi, tu penses que Koide Iden Lendi, tu penses que c'est toi qui m'as mis au monde? CNRD, vous pensez que c'est vous qui m'avez mis au monde? Vous pensez que je suis à votre merci? Certains malinqués frustrés là, vous pensez que moi, Fatou Miello, c'est vous, je suis à votre merci? Moi, je ne suis pas ethno, je ne serai jamais ethno. Mon petit frère, le deuxième garçon de ma mère, qui est 100% aussi Mamadi Doumbouya, qui est ici au Canada, qui partage tous les postes de Mamadi, le petit, le garçon, hein, le blanc, notre faute, qui ne parle pas, lui, il ne fait que poster. Lui, il dit qu'il est pour la refondation. Il est dans son coin. Hein? Il se marie à une forestière. Chez nous, il n'y a pas d'ethnocentrisme chez nous. Et je suis sortie ici attaquée. Quelques malinqués qui m'ont attaquée. Je n'ai jamais généralisé. Et puis vous dites que ouais, elle est contre les malinqués parce que vous n'avez pas de débat. Parce que je ne suis pas Mamadi. Non, elle doit soutenir Mamadi. Je refuse. Je suis condamnée par un pouvoir 4 ans. Et moi, je vais prendre mon imbécile nez. Ce que je prends, je ne sais même pas mon quoi. Pour soutenir Mamadi. Je suis condamnée avec un pouvoir de 4 ans et 20 millions d'amendes. Et moi, je viens soutenir parce que vous êtes qui? Je refuse. Ça, je vous dis aujourd'hui, clairement. Donc, si vous pensez l'arrestation, kidnapping d'Ousmane Niello, là, vous pouvez moi m'intimider, de tromper vous, vous ne pouvez pas. Niello mérite ce qu'il est en train de vivre. C'est bien fait pour lui. Je suis contente, vous savez pourquoi? Ma famille, je les ai dit, ne soutenez pas CNRD. Les gens-là, on ne doit pas les soutenir. C'est des gens, quand tu les soutiens, ils ne te soutiennent pas. Et c'est grave quand tu soutiens un pouvoir et que ce pouvoir ne te soutient pas. Quand tu soutiens un pouvoir et le pouvoir ne te... Moi, je ne vais jamais soutenir un pouvoir qui ne va pas me protéger. Parce que quand tu es avec ton pouvoir, il y aura des gens qui veulent avec ton âme à tout prix, en fait. Maintenant, quand les gens là veulent ça, si eux, le pouvoir là, qui se protège, qui ne te... Toi, tu soutiens, si eux, à leur tour, ils ne te soutiennent pas, mais tu es foutu. Donc, je suis contente aujourd'hui, mes deux petites sœurs, qui sont tout le temps dans vos mouvements de je ne sais pas si c'est campagne, je ne sais même pas de quoi, soutien là. Mes deux petites sœurs, Aïcha et puis Saoudine, là, Benjamin, je suis contente aujourd'hui parce que j'ai tout fait, je dis rester. Mais elles aiment tellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont vu en toi, Mamadi, qu'est-ce qu'elles ont vu en toi, que bon, comme je suis démocrate, sinon j'ai tout fait. Je dis, les gens là ne vont pas vous protéger. Vous allez avoir des problèmes et puis ce n'est pas leur problème.
Donc, ne soyez pas avec un pouvoir où vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou Mamadi même ne sait même pas que vous le soutenez. Je dis refusez. Mais non. Elles sont 100%. La dernière fois, ma mère, ma propre mère, je parlais avec elle. Elle était chez ma petite soeur. Elle était en t-shirt CNRD. Je dis à ma mère, ah, qu'est-ce que tu portes? Elle m'a dit quoi? Qu'elle porte quoi? Je dis, ah, ok. Ma petite soeur, je dis qu'elle n'a pas le droit de porter ce qu'elle veut. Quand toi, tu portais tes chemises de Alpha Condé, là, c'est important. Je dis, est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai juste demandé, tu portes quoi à ma mère? Donc, l'arrestation, l'enlèvement de Ousmane, c'est bien fait. D'abord pour ma famille qui soutient le CNRD. Je les ai dit, vous soutenez des gens qui ne connaissent pas la valeur d'un être humain. Vous soutenez des gens qui s'en foutent du soutien de qui que ce soit. C'est leur intérêt personnel. Ils ont un cercle fermé. Donc, leur cercle, à part eux, là, ils en foutent des gens. Voilà. Donc, alors, je refuse que non, après, qu'ils ont kidnappé Ngeloué. Parce que quand il va sortir, il va faire comme Fatou Ngeloué. Moi, je suis rentrée ici, j'attendais de voir votre réaction. Est-ce que j'allais être condamnée? Vous me condamnez et puis je vous soutiens. Où est-ce que vous me condamnez et puis t'en refais vous soutenir. Est-ce que vous bengez l'angri? Est-ce que vous faites tourner le collet? Je dis, vous mon colon. L'intimidation, ça ne marche pas. J'ai bloqué d'abord Mori Kondé. Oui, je l'ai bloqué. J'ai bloqué toutes les personnes dont je citais les noms, dont je laissais Mamadi à cause de là. Je les laissais parce que moi, Mori Kondé, je ne le connais même pas. Quand je dis, en fait, je l'ai connu à travers Lancé Touré, je vous ai dit ici plusieurs fois. Et Lancé, c'est quelqu'un que j'ai connu en dehors de tous les politiques, qui n'a rien à voir aujourd'hui, qui est dans l'esprit, qui est Mamadi. Et à cause de lui, à cause de Mori, je me suis dit, attends, comme eux, voilà, surtout Lancé, à chaque fois, pardon, Farah, président la Fatou, Mansan Inkani, il est trop gentil, tu ne le connais pas. En fait, est-ce que tu l'as connu, Mamadi, dans le passé? Je lui dis, je ne l'ai jamais connu. Il dit, c'est pourquoi? Sinon, mon yuma, les Mamadi. Donc, à cause de ces gens-là, les gens-là ne me donnent rien. Hein? Mamadi, est-ce que tu sais que Alpha Condé a dit que toi, Mamadi Doumbouya, que tu me donnes l'argent? Est-ce que tu m'as donné l'argent? Mamadi, est-ce que tu sais que Alpha a dit que tout ce qu'il pouvait faire pour moi, là, il ne fait plus? Les aides qu'il faisait pour moi, les accompagnements qu'il faisait pour moi dans ce pays-là, il a arrêté tout depuis. Ça fait 2 ans maintenant, peut-être. Bon, pas 2 ans, mais bientôt. Que parce que je suis entretenue par toi, Mamadi Doumbouya, que c'est toi qui me donnes l'argent. Est-ce que toi, Mamadi, on se connaît? Est-ce que depuis quand j'étais en Guinée, j'ai quitté, je suis venue aux États-Unis, tu as vu mon message? Est-ce que moi, je t'ai appelé? Est-ce qu'on se connaît maintenant? Est-ce qu'on a échangé depuis quand j'ai quitté la Guinée, je suis rentrée ici? Pour que tu me donnes 1 dollar ou 1 euro. Ou 1 franc guinéen. Donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà. C'est comme ça aussi que moi, personne... D'ailleurs, deux fois je viens, je fais des lives sur toi parce que je vois certaines personnes qui se disent que ah, nous, on gère les Ngeloué. Moi, personne ne peut me gérer. Hein. Tu peux me parler en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que quelqu'un que j'aime, que je considère. J'accepte ce que tu me dis. Mais dire que tu vas me gérer, est-ce que... Ne me regardez pas seulement ici, hein? Vous ne me connaissez pas. Et moi, si tu tends ta main timidée, je vais te foncer. Donc si vous pensez que... Hein? Tu as vu là, j'ai dit, je ne vais pas appeler un membre de CNRD. J'en ai rien à foutre pour l'arrestation d'Ousmane. J'ai dit à ma famille, je dis, ce n'est pas vous qui êtes du CNRD. Donc ils n'ont qu'à tuer votre fils. Parce que Ngeloué ne m'a pas écouté. Si Ngeloué voulait sortir, la façon dont je suis sortie de la Guinée, c'est comme ça. J'ai fait sortir beaucoup de gens, beaucoup de nos cadres qui ne sont plus en Guinée. Là. C'est moi qui les ai aidés. Parce que je suis discrète, je ne dis pas. Attends, je vais t'aider. Toi, l'ethno, là. Tu viens dans mon live et puis tu dis des conneries. Je ne sais pas où sont les modos ici sur TikTok. Vous avez la chance ici aujourd'hui, hein? Je suis plus concentrée ici. Voilà. Donc, parlez. Les modos sur TikTok, s'il vous plaît, on est à 1K et quelques. Bloquez-moi les... Bloquez-moi les ethnos de Mamadi Doumbouya, là. Bloquez-moi les ethnos de CNRD. Bloquez-les.
bloquez-moi les ordures là. Hein? Donc si vous pensez que la force peut faire taire les Nielui, Nielui va perdre tous ses combats. Parce qu'il est naïf, il est bête, il croit en vous. Il vous aime. C'est ce qui fait que tu crois à ton ennemi. Mon frère, tu as soutenu CNRD. Moi, j'ai soutenu. Je suis la première personne à soutenir CNRD. Allez-y revoir ma vidéo le 5 septembre, je pense, ou le 6 septembre 2021. Là où j'ai dit que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. C'était moi. Oui, j'ai soutenu Mamadi parce que je sais une chose. Il faut qu'on se dise la vérité. L'entourage de papa, à un moment donné, ils ont détruit certaines personnes. Et c'est la même chose qui arrive à Mamadi aujourd'hui. Mamadi, la façon dont Alpha a été maltraité là, la façon dont Alpha a été dessus là, la façon où ils ont trahi Alpha à l'approcher et puis on était là en train, les gens étaient là en train de le mentir là. C'est ce qui se passe exactement avec toi aujourd'hui, Mamadi. C'est pourquoi tu me fais aussi pitié. Je prie Dieu que tu aies longue vie. Et que rien ne t'arrive, un jour tu n'es pas président, tu vas voir le vrai visage des personnes qui se disent aujourd'hui, t'aimes. C'est là que tu vas te rendre compte que, ah, le Guinée, moi c'est pourquoi j'ai préféré adopter un chat ici que de prendre mon argent donné à certains humains parce qu'ils sont, c'est dommage et triste. C'est très triste et dommage. Donc, Mamadi, moi, l'intimidation à Moulin fait, je ne vais pas soutenir un pouvoir qui m'a condamné. N'té. N'té. Et Alkan ne condamne seul Loudal et Nako. Là, maintenant, vous êtes en guerre, vous voulez, vous pensez que Allah objet lundi. Vous pensez que quoi. N'é. En fait, je vous appartiens. N'conté. Si un malinké est fâché parce que je ne soutiens pas Mamadi, je m'en fous. Si un peu est fâché parce que je ne soutiens pas Mamadi, je m'en fous. Si un forestier est effacé parce que je ne soutiens pas, je m'en fous. Si un malinqué, j'ai dit même qui reste là, Soussouné, je m'en fous. Et je le dis en anglais, I don't care. Je refuse. Je m'y salue. Je soutiens un pouvoir qui m'a condamné. Depuis que j'ai été condamné, qui a entendu Mamadi faire un décret? Non, Fatounié le n'est plus condamné. Depuis j'ai été condamné, qui a vu ici que non, les condamnations de Fatou, non. Moi, c'est celui qui a retiré sa plainte contre moi. Lui, il a fait ce qu'il peut faire. Maintenant, ça reste pour la justice. La justice, eux, ils gardent là-bas. Donc après, je vais aller en Guinée. Et puis, on me met en prison pour dire non. C'est celui qui l'avait fait. Elle a été condamnée à cause de celui d'Ale. Moi, je suis allée à l'école. Moi, j'ai fait droit à l'université. J'ai fait Mercure International. Je suis de la promotion Amadou Diallo, le syndicat là. Je suis diplômée depuis 2006, le 6 octobre 2012 au Palais. J'ai fait droit. Je connais un peu comment fonctionnent les choses. Et puis, je suis la fille d'un vieux. Mon papa, c'est un vieux. Je connais. J'ai côtoyé Selouli FDG, j'ai côtoyé Alpha Condé, donc je connais comment les choses fonctionnent. Vous ne pouvez pas prendre de beurre et mayonnaise. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai toujours gagné sur vous parce que je n'ai confiance en personne. Niele a toujours perdu parce qu'il vous aime, vous, CNRD, il a confiance en vous. Il est trop bête. S'il ne va nulle part, j'ai dit, j'ai tout fait, Niele me dit, tout fait, je ne sors pas du pays. Je vais rester ici en Guinée, je vais là. Les autres qui sont garçons là, ils n'ont qu'à rentrer au pays. Et c'est moi qui ai demandé à Ousmane de ne pas vous soutenir. Je dis, Niele, j'ai vu que tu aimes Mamadi, tu aimes CNRD. Tu as dit que toi, tu es allé en prison, il y a des choses, voilà, je ne vais pas trop en parler. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai à te dire? Même quand tu étais avec le président Alpha Condé, tu avais des gardes. Et les gardes que tu as eues, c'est la justice qui t'a donné parce que tu étais menacé, c'était visible. C'est la justice. Ta maison où tu habitais, ils ont filmé, posté. Moi, la même chose. Même moi, la justice m'avait autorisé d'avoir des gardes. Mais je n'ai pas accepté. Donc, la justice t'a donné des gardes. Tu as été gardé. Même avec tes gardes, tu n'épargnais pas. Même avec tes gardes, on t'attaquait.
Je dis, imagine maintenant, là, tu n'as pas de garde, tu n'as personne. Tu continues à parler de Mamadi, tu soutiens Mamadi et tu aimes les femmes. Et les femmes que tu aimes là, ce sont les femmes de l'opposition. Je dis, tu vas aller là-bas, ils vont te faire du mal. Je dis donc, tais-toi. N'attaque pas l'opposition, tu es là-bas, tu n'es pas en sécurité. C'est ce qui fait qu'il s'est tué, il ne parle pas, il est voilà. Je dis parce que n'oublie pas que quand tu as un problème aujourd'hui, c'est nous qui, ta famille, qui vont en subir les conséquences. Ce n'est pas les gens que, là, qui sont là. Et je l'ai dit aussi, regarde Charles White. Charles White a soutenu Mamadi ici. Autour de Mamadi, c'était de soutenir Charles White. Mais Charles White, Mamadi n'a pas soutenu Charles White. Moi, j'étais présidente. Et que l'action que Charles White a eu, wallahi billahi tallahi, j'allais le maintenir pour montrer aux gens, vous avez fait ça pour le détruire. Je ne vais pas accepter. Mais Mamadi a encouragé aux autres encore de continuer à détruire les cadres. Oui. Sinon, moi, je te maintiens. Qui n'a pas un truc là-bas, là? Parce que voilà, qui n'a pas son... Qui? Si tu es femme, on sait ce que tu as. Si tu es homme, on sait ce que tu as. La différence, c'est quand c'est gros, long, petit, noir, blanc, c'est ça. Mais chacun de nous a ça. Pour nous, les femmes. Les hommes aussi, ça compte dehors. Voilà. Donc, si ça, on met ça dehors. Et puis, on a vu que Charles White, là, même, c'était bien propre, il est bien épilé, on a vu que c'est un homme propre. Hein? Il est où le mal? Mais on le maintient. Et puis, il est même sorti se défendre, dire que c'est sa propre femme. Tout ça pour avoir des arguments pour dire que c'est sa femme qui a fait ça. Mais malgré tout ça, la Charles White n'a pas. Et pourtant, Charles White était le juge le plus aimé en République de Guinée. Parce qu'il faisait l'affaire de IFDG. C'est lui qui avait condamné Ousmane 5 ans de prison ferme. On l'a applaudi, tout le monde l'aimait. C'est quand il est venu te soutenir, Mamadi. C'est quand il est venu t'aimer. C'est quand il s'est sacrifié, il a préféré toi que le peuple. C'est en ce moment que lui, il a eu ses problèmes-là. Et toi aussi, tu le lâches. Quand j'ai vu Charles White à la mosquée, ils sont allés là, c'est de la démagogie quand même. Sinon, quelqu'un ne peut pas t'enlever là où tu mangeais. Et tu vas aller faire des prières pour lui. Quand on regarde dans le cœur de Charles White, il ne peut pas être fier de toi, Mamadi. Et c'est normal. Là, c'est de la démagogie qu'ils sont en train de faire. C'est pur et simple. Allez te prier pour toi. Mais moi, je comprends parce qu'il est là-bas, au moins pour ne pas qu'il soit kidnappé, au moins parce que c'est ça aujourd'hui. Quand les gens ne sont pas dans ton esprit, ils sont kidnappés, c'est dommage. Ils sont enlevés par les hommes de Bala Samoura. Parce qu'avant, c'est les gendarmes habillés qui partaient, maintenant il a changé de stratégie. Et maman dit, ça, c'est pas bon pour ton pouvoir. Il faut que les gens soient arrêtés par des convocations. Arrêtez d'enlever les gens. On ne peut pas intimider quelqu'un. On est en 2024. Vous avez vu l'arrestation d'Ousmane Yele. Je suis ici aux États-Unis. Mais vous avez vu quand j'ai fait le post sur Facebook, ma page ici, j'ai reçu directement quelqu'un dans mon inbox qui m'a appelé pour m'expliquer comment l'acte s'est passé, comment Yele a été arrêté. Prenez cette partie. Quand Yele est sorti, Il habite à Lambagné, Carrefour, centre commercial là-bas. Il a quitté, il est venu à Kobaya. Quand il est arrivé à Kobaya, le couloir que j'ai posté sur cette page Facebook là, c'est là-bas. La personne qui m'a appelé pour m'indiquer, il me dit que l'acte s'est passé devant lui. Lui, il était sur sa moto, il était de passage. Il est venu trouver 2 motos. Il y avait une moto derrière la voiture de Niele, une autre moto devant la voiture d'Ousmane Niele. Il y avait 4 personnes sur les 2 motos. Donc chaque moto avait 2 personnes. Ils ont barré Niele avec leur moto et ils sont descendus. Ils étaient en civil arrêtés. Niele est descendu de sa voiture. La porte n'était pas fermée. Il était arrêté. Il parlait avec eux. Que lui, il voulait passer. Mais comme vous avez vu, il n'y avait pas trop d'espace. J'ai posté, vous avez vu le couloir, c'est voilà. Comme la portière d'Ousmane était ouverte, donc il n'y avait pas de. Il ne pouvait pas passer. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est arrêté, il a mis les phares sur eux, il a vu que c'était Ousmane. Il était là arrêté, dans l'attente pour avoir. Et puis il va passer, avoir l'accès au passage.
Il y a une 4x4 noire qui est venue avec des hommes en civil. La voiture est venue en vitesse, garée. Et puis ils ont pris le crip, ils l'ont kidnappé, ils l'ont mis. Balance Amoura, je te dis bonsoir. Enfin, Koudou, dans le pays de Mamadi Doumbouya, là. Je te dis, Mamadi, les gens là ne t'aiment pas. Hein? Parce que s'ils pensent intimider les gens, ça, surtout moi, je te jure, Mamadi, si moi je vais t'affronter ici, si moi je sors, je vais faire face ici, Billahi Wallahi, je dis, si vous voulez, vous m'appelez en appel vidéo, vous me montrez Nyeloy, vous tirez sur lui, je vois, Pau! Ça ne va pas changer mon avis, j'en ai rien à foutre, parce qu'il mérite ce qu'il est en train de vivre. Il n'écoute pas, il n'entend pas. Donc c'est comme ça Nyeloy a été enlevé. Quand le gars m'a expliqué, je lui ai dit, ok, est-ce que tu peux aller filmer l'endroit, le lieu, m'envoyer? Il a dit, oui, il est allé filmer, m'envoyer, j'ai posté. Et vous avez vu? Et ça, c'est Allah, le Tout-Puissant, qui a fait que je suis ça. La personne est rentrée. Moi, je suis avec Dieu. Hey! Moi que vous voyez là. Hein? Yari Asal Moustachisin. Hein? Al-Khisna. Je ne veux pas me séparer d'eux. Je n'ai pas terminé, hein? Mais je ne me sépare pas de ça. Voilà. Donc, rien ne peut m'arriver. Avant que vous kidnappez Ousmane, il a fait un rêve, il a même expliqué sur TikTok. Il dit qu'il a rêvé de nous, que le CNRD me cherchait, il voulait moi m'arrêter. Que quand ils sont venus, avec des voitures comme ça, qu'ils l'ont pris dans notre cour, à Afia, là où je suis née et grandi, là. On a ce qu'on appelle Fotekansi. Nyeloy allait s'asseoir sur le Fotekansi là-bas. Qu'on disait que Fatou Nyeloy, on cherche Fatou Nyeloy et tout. Qu'il a dit à ma mère, Nene, ils sont venus prendre Fatou, ils vont la tuer. Dis à Fatou de quitter. Que ma mère dit, hey, elle n'a pas passé la nuit là-bas. Je dis, même dans les rêves, quand vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Avant que moi je ne sois ici au monde, ma mère a fait 9 ans avant de faire enfant. Il y a pas ce qu'il y a eu tout genre de prières pour que Dieu donne l'enfant. Vous imaginez quand Dieu te donne une femme mauritanienne, tu l'épouses à 13 ans. Et puis après, elle est belle, jolie, 9 ans, il n'y a pas d'enfant. Vous comprenez? Et il y a eu tout genre de prières pour que cette pauvre femme fasse des enfants. Et l'enfant là, c'est moi. Donc, rien ne peut m'arriver. Tout ce qui va m'arriver, là, c'est que c'est Dieu. Donc, c'est pourquoi ce qui est en train d'arriver à Nyeloy, c'est son destin. Parce qu'il ne m'écoute pas. Je l'ai dit, les gens-là ne vont jamais t'aimer. Tu n'as rien fait aux gens-là. Les gens-là t'ont amené en prison. Tu n'as rien fait. Balance Amoura. Elle est où, Deka? Mamadi Doumbouya, CNRD, vous les frustrés du RPG, là. Qui sont sur CNRD aujourd'hui. Il est où? Elle est où, Deka? Deka que vous avez soutenu, qui partait dans les radios parler. Pourquoi elle ne vous soutient pas? Pourquoi vous ne cherchez pas la femme que vous avez soutenue pour mettre Nyeloy en prison? Pourquoi? Et IFDG, vous avez soutenu Deka et IFDG. Bala, ou bien? Bala, elle est où, Deka? Pourquoi Deka aujourd'hui? Parce que tout le temps, elle était sur les médias pour parler de vous. Donc maintenant, son affaire est faite. Hein? Nyeloy a été arrêté, on a mis Nyeloy en prison. 2 ans condamné, après, voilà, il a fait 6 mois. Aussi, il est aussi recondamné pour la plainte de Selou et sa famille. 15 mois, il fait 3 mois là-bas. Après, Selou et sa famille retirent Nyeloy et libéré. Ce n'est pas CNRD qui a libéré Nyeloy. C'est parce que Selou Daleng et sa famille ont retiré leur plainte. Nyeloy n'a pas été gracié par Mamadi Doumbouya. Nyeloy a été libéré en juin. Nyeloy a été arrêté le 28 septembre 2021. Il a été déféré le 29 septembre 2021. Il a été condamné. Ok, vous êtes là. Je vais vous prendre et vous me permettez, parce que je suis aussi sur Facebook là, pardon. Je vous ai pris, mais je suis sur Facebook en même temps. Je fais les lives. Je suis sur Facebook aussi. Donc, Nyeloy a été condamné
Nielo a été condamné le 28 octobre, le jour de mon anniversaire 2021. 2 ans d'emprisonnement ferme. Il a fait 6 mois à la condamnation de Deka. Après, avec les appels et tout, le juge l'a libéré. Mais il était déjà aussi condamné à 15 mois. Mais il a été libéré à 6 mois de la plainte de Deka. Maintenant, il a continué, il a fait 3 mois. Dans les 15 mois de cellule, il a fait 3 mois. Il a été libéré, il a été condamné en mars. Il a été la deuxième condamnation. Il a été libéré le 22 juin 2022. Donc après, il a fait 2 mois et 3 mois aussi pour la plainte de Selou. Et c'est Selou Dalin qui a retiré sa famille. Donc il n'a pas été gracié. J'ai tout expliqué à Nielo, il a toujours refusé. Et moi, j'ai été condamnée 4 ans d'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, il m'a dit, CNRD, IFDG, vous êtes comme ça. Beding, beding. Moi, j'étais là avec Selou Dalin, IFDG. Ils amènent les coups, je barre. Ils n'ont pas pu. Après, toi, maman dit, tu viens, tu prends mes 2 meilleurs. Après, on tape ma tête. Et puis maintenant, vous deux, vous êtes en guerre. Je vais venir t'aider, toi, maman dit, parce que je te dois quelque chose. Est-ce que tu as bien réfléchi d'abord? Tu as réfléchi un peu? Tu penses que moi je suis bête? Tu penses que moi c'est mayonnaise et beurre qui est dans mes yeux? Tu penses que moi c'est un menuisier qui m'a été fabriqué ou un soudeur quoi? Je n'ai pas été créé par Dieu. Je suis très smart. Je dis je refuse. Je ne soutiens pas CNRD. Votre fin de pouvoir, c'est le 31 décembre 2024. Et puis c'est tous. Donc, ce que Nielo est en train de subir, il le mérite. C'est bien fait pour lui. Parce qu'il ne m'écoute pas. Nielo me prend comme son ennemi. Je ne sais pas quel amour, quelle confiance. Pourquoi il croit à des gens qui ne l'aiment pas? Pourquoi il croit à des gens qui l'ont toujours fait du mal? Pourquoi, depuis le CNRD est là, ils ont toujours fait mal au Nielo? C'est comme maintenant, vous avez compris la capacité des Nielois. Vous savez que les Nielois, c'est des hommes forts. Vous savez que les Nielois, là, ils ont un don. Quand ils parlent, là, ce que voilà, le message va aller où on veut, là. Et que maintenant, vous voulez faire par la force. C'est moi qui ai dit à Nielois de laisser. Parce que Nielois aime les femmes. Surtout les femmes de l'opposition. Je dis, même quand tu étais avec le président, tu avais les gardes, on te menaçait. Bala, tu peux témoigner, tu te rappelles? Un jour à Kipe, quand ils ont menacé Ousmane Nielois. Pourtant, il était avec des gardes, ils ont cassé la vitre de derrière. Après, il y a eu des tirs. Tu m'as appelé, toi, Bala, tu criais. Fatou Nielo, c'est quoi ça? Ils m'ont appelé à Kipe, mais le petit là, tu prends pour qui? Je dis, il a bien fait. Il a riposté, c'est légitime défense qu'il a fait, Bala. Docteur Diané m'a appelé. Ah, tu as dit, docteur Diané, tu as dit, il t'a appelé. Docteur Diané a appelé, vous avez voulu prendre ça, je dis. Il a bien fait. Il se défend. Les gens ont voulu le tuer et puis il s'est défendu. Il va faire légitime défense. Alpha m'a appelé. Allô Fatou, il y a Bala qui m'a appelé. Docteur Yare m'a appelé. Kenyel est allé à Kipe, il fait des pagailles. Je dis, c'est pas de la pagaille. On l'a attaqué. On a cassé sa vitre de derrière. Il veut la tête d'Ousmane à tout prix. Il s'est défendu. Je dis, il a bien fait, papa. Il dit, ah bon, je dis oui. Alors, je dis, oui, amenez, allez-y, appelez la presse, ils vont aller, la communauté nationale et internationale va voir. C'est en ce moment comme, comment la télé là s'appelle même, Évasion était proche, Évasion est allée vite fait, filmer, et ils ont montré au journal que oui, c'était une vérité. Après, le président m'a rappelé, ah bon, ok, tu sais, comme c'est Kipe, c'est un quartier, je dis, même si c'est en ville, on l'attaque qui va riposter. Donc, vous, votre vie est mieux que notre vie, quoi. Donc, c'est ça, Nielo, vous avez voulu que Nielo le fait, quoi. Il va attaquer l'opposition, il va attaquer les gens. Vous êtes dans votre palais. Il n'y a pas un peureux, comme Mamadi Doumbouya. Parce que quand tu vois quelqu'un qui sort regarder, c'est que la personne est peureux. Mamadi ne peut même pas aller au Marseille-Niger, pieds nus, seul. Hein? Quand ils vont bouger là, et puis même quand tu veux serrer, Mamadi, tu ne peux pas. Tellement qu'ils sont là, ils veulent te manger.
Vous, vous êtes bien protégés. Comme Nielo, ce n'est pas votre enfant. Comme Nielo, Sarakadene. Comme nous, les Nielo, vous pensez, c'est Nielo qui est Sarakadene. Hein? C'est Nielo qui est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est Nielo qui ne sait pas sa valeur, qui ne connaît pas sa valeur. C'est pourquoi il est tout le temps, tous ses combats, il perd. Il a toujours été victime du CNRD. Tout le mal. Et puis, c'est petit pour lui. Donc, c'est ce que j'ai dit à mes soeurs, ma mère. Je n'ai rien à foutre. Je ne ferai aucune démarche. Je ne vais pas. Si je n'appelle personne de CNRD. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, j'ai bloqué. Wallahi, sur la tombe de mon père, j'ai bloqué les Morikondé et les autres que je connaissais là. Voilà. Moi, les gens là, je les respecte parce que je les ai connus dans le passé. Mais comme vous pensez peut-être que c'est les gens là qui me prennent en charge, que c'est eux qui m'entretiennent. Pourtant, Mamadi, moi, le président dit que toi, tu me sais, toi qui m'entretiens. Donc là où tu sais que toi, Mamadi, tu ne m'entretiens pas là. C'est la même chose, personne. Mais quand quelqu'un... En fait, je suis tellement reconnaissante. Quand je connais quelqu'un dans le passé, je n'aime pas venir faire du mal à une personne, en fait. Je n'aime pas manquer du respect à une personne. J'aime quand tu m'aimes, quand tu ne m'affrontes pas, là. Je suis dans mon coin. Donc, c'est bien fait pour ma famille, pour mes petites soeurs qui soutiennent le CNRD. Je les ai dit, elles vont voir... Je ne vais jamais soutenir un pouvoir dont je ne suis pas en sécurité. Donc, eux, tu les soutiens, ils ne vont pas te soutenir. Et puis, maman dit, je vais te dire, est-ce que tu sais la musique de Marma Kankalabi, c'est qu'elle a chanté pour toi. J'ai fait ça sur TikTok. J'ai soutenu Marma Kankalabi et je soutiens Marma Kankalabi. J'ai mis ta musique, j'ai mis ma photo, pas à cause de toi, pour soutenir Marma Kankalabi et pour imposer, dire aux gens qu'ils doivent arrêter parce que moi, c'est ça mon combat. Aucun Guinéen ne peut intimider l'autre pour faire... C'est que si toi, tu n'aimes pas quelque chose là, l'autre aussi n'a pas le droit d'aimer. Je refuse. On est libre de soutenir qui on veut. Marma Kankalabi a chanté ton nom. Et je suis contente parce qu'au moins, avec tous les injures et l'humiliation qu'elle a, au moins, c'est moi, c'est... En fait, c'est ça j'attends. C'est que c'est ça j'aime sur une personne. Au moins, tu as soutenu Marma Kankalabi. Elle a été reçue par la présidence. Félicitations. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai même partagé. Sur mon compte personnel, Maman des pauvres, j'ai partagé. Elle a la publication de Marma Kankalabi. J'ai mis les cœurs. Elle t'a remercié. Je t'ai partagé. Elle m'a dit, j'ai mis les cœurs et puis je t'ai dit merci. Pas pour moi, mais pour Marma Kankalabi. J'aime quand les gens te soutiennent, tu leur soutiens. J'aime bien, sincèrement. Parce que c'est ça. Au début, vous êtes venus, vous étiez... Quand je vois Amara aujourd'hui... Amara qui faisait croire que non, lui, le CNRD, en fait, vous là, vous pouvez tout faire. Vous n'avez rien compris. Quand je vois Amara aujourd'hui avec certaines jeunes, certaines personnes, je ris seulement, je dis, ah bon, donc maintenant, vous avez besoin de gens soutien, quoi. Et puis, c'est pas Simandou 2040. Vous, c'est que... Moi, ce que j'ai compris, c'est CNRD 2040. Mais comme les gens n'ont pas compris, comme le temps de... Elle a une voiture, oui, elle a une sortie d'usine. Et voilà, et pas que ça aussi, elle a une enveloppe peut-être. Ça, sincèrement, ça y a félicité. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé, félicitations. Et ça, Mamadi Doumbouya, Ibarka, pour Marma Kankalabi. Et c'est ça, quand quelqu'un te soutient, soutiens la personne. Hein? Moi, ma petite soeur est dans CNRD. Mes deux petites soeurs sont dans CNRD. Elles ne font pas live. On ne veut pas avoir d'autres Fatou Nielou dans la famille Nielou. Sinon, ma petite soeur Aïcha, elle a un cœur, gros cœur, plus que moi. Elle est plus dingue, folle que moi. La Benjamin, la même chose. Mais quand elles vont commencer à faire des lives, c'est pas bon. Les gens vont les insulter. Et je sais, elle va venir se déshabiller sur les réseaux pour répondre. Donc pour ça, comme elle est une maman, elle a trois enfants, elle est dans son coin, elle te soutient, elle fait les tours, les tournées. Mais comme ça, c'est pas Fatou Nielou. Donc ça ne vous suffit pas, quoi. Même ma mère porte tout t-shirt, tu sais, elle dit, maman. Et puis je n'ose même pas dire. Mes deux petites sœurs sont CNRD. Ça ne vous suffit pas. Nielou, voilà, il faut le garder encore plus. C'est bien fait pour le petit. Il le mérite. Billahi wallahi tallahi. L'arrestation d'Ousmane, là, ça ne me fait ni chaud ni froid.
ce que ça me motive même. Je suis plus déterminée contre vous, le CNRD. Je vous donne juste le temps de voir qui vous êtes en fait. Comme j'ai déjà ma famille du CNRD, alors qu'à voir là-bas, moi je m'en fous, je n'appelle personne, je ne cherche à voir personne, je n'ai rien à foutre et il mérite ce qu'il subit. Parce que s'il m'avait écouté, même quand il était sorti, il n'allait pas rentrer, il dit « net ». J'ai dit « Ousmane Ngeloy ». Les gens là ne t'aiment pas, quitte, il dit, il ne quitte pas. Que lui, il ne fait pas son pays. Hein? Ngeloy dit « carrément, il n'ira nulle part ». Qu'il ne fuit pas le pays. Il a fait une vidéo. Vous avez vu comment il a fait? Et lui-même, dans sa vidéo, il dit quoi? Mon petit frère, il est modérateur, il a supprimé. Je lui ai dit, il ne fallait pas supprimer parce qu'il n'y a rien de mal ce que Ngelo a dit dans sa vidéo. Il dit, regardez, il n'y a rien à dire sur les réseaux. Donc, je vais vous dire quoi, vous? Mon passeport expire en 2032. En 2032. Donc, je veux voyager. Et puis, on le prend. La dernière fois, on dit, je veux voyager. Il est allé, on l'a kidnappé. Kader Yomba a appelé et puis on l'a kidnappé. Là aussi, vous passez par les mêmes hommes. Hein? Ben là, il faut le garder, je dis. Garde-le, si tu veux. Tuez-le même, il le mérite. Prochainement. Hein? Ou même si quand lui, il va mourir dans vos mains, là. Prochainement, quand je vais parler à ma famille pour CNRD, ils vont m'écouter. Quand je vais leur dire, faites attention, ma famille va m'écouter. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais venir pleurer pour Ousmane, pour ce qu'il mérite. Je l'ai toujours dit, CNRD ne t'aime pas. Maman dit, ne t'aime pas. Les gens ont tout fait. Moi, il y a eu des gens que c'est Tiano Souleymane de la présidence. Je ne te connais pas. Que c'est toi qui as arrêté Ousmane. Je dis, ah bon? Je dis, non, ce n'est pas toi. Après, ils ont dit que c'est Amara. Je dis, non. C'est pas, non, je ne parle pas même de cette arrestation. Je parle de la première fois quand il a été condamné en 2021. C'est Bala à l'époque qu'il avait arrêté. Parce que j'étais là quand Bala a appelé quelqu'un pour dire qu'il faut le condamner. Il y avait deux magistrats qui l'ont appelé. Quand il a fini avec ces deux magistrats, il m'a appelé, j'étais là assis. Il dit, je les ai dit de le libérer. J'ai ri dans mon cœur. Bala, faut moi, il aime. Et là aussi, il paraît, il est dans tes mains, car Bala. Il paraît. C'est pour te dire, tu sais, le fait que moi, je garde secret là. Donc, si tu veux, il faut le manger. Il le mérite. Parce qu'il a tout fait pour nous réconcilier. Je dis, tu ne connais pas les gens. D'ailleurs, le plus méchant dans le CNRD, c'est Bala. Ils ont dit Amara, je ne connais pas Amara, il ne m'a jamais fait quelque chose. On ne se connaît même pas. Si Amara me fait du mal sans nous connaître, Dieu va faire notre guerre. Il a des enfants. Amara a beaucoup d'enfants, même s'ils sont petits. Quand tu fais du mal à l'enfant d'autrui, un jour, Dieu va payer sur tes enfants. On fait du bien aux enfants d'autrui pour que demain, tes enfants récoltent le bien que tu as fait, tes parents ont fait. Donc si Amara nous fait du mal sans nous connaître, il n'y a pas eu d'incident, on ne se connaît même pas. C'est un gars que je n'ai jamais connu dans ma vie, Amara. Donc quand il nous fait mal, il a fait beaucoup d'enfants. Hein? Sa femme, docteur, a fait beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si elle est docteur ou elle a eu doctorat. En tout cas, j'ai vu ses enfants, je sais qu'il a beaucoup d'enfants. Donc, un jour, tout va se payer sur ses enfants. C'est tout. Mais pour la première fois, quand Ngelo a été arrêté, je ne vais pas accepter qu'on dise que... Ah non, ils ont dit c'est Amara, non, c'est Tiano Souleymane. On ne se connaît pas. Tiano Souleymane, je ne l'ai jamais connu. C'est Tiano, comment même il s'appelle? C'est lui qui a là, que le conseiller de Mamadi, là. Il s'appelle comment même? J'oublie son nom souvent, là. Il s'appelle comment? Le conseiller Peul, là. C'est Tiano quoi même? Je ne sais pas. Donc... J'ai tout dit à Ousmane. Je dis de vous laisser, il ne veut pas. Je dis quitte le pays. Façon dont je suis sortie et j'ai fait sortir des gens. Je dis, j'ai un endroit là. C'est tellement spécial que tu peux sortir. Personne ne va te voir. Et là, maintenant, ce n'est plus passé par Bamako. Il y a un endroit où que tu peux passer. Personne ne peut te voir. Et puis, tu vas sortir du pays. J'ai tout fait. Ngelo a dit, Tiano Mamadou, merci. C'est Tiano Mamadou. Exactement. Merci pour... voilà, merci. C'est lui qui a écrit ici.
Merci, merci, ce tiers-là, Mamadou. Je ne lui connais pas. Après, ils ont dit à Mara, donc de vous à moi, je te présente. Il y avait deux magistrats. Bala a appelé les magistrats pour leur dire, Wallahi, Billahi, Tallah, le téléphone était sur le haut-parleur. Alia a condamné, condamnez-le. Al-Kanabla. Pour des raisons, parce que leur intérêt. Alba a condamné. IFDG dit CY, ils vont nous applaudir, il aura le soutien de l'IFDG. Soutien de l'enfant. Je vous ai dit le soutien, l'amour entre IFDG et CNRD. Je riais, je vous ai donné 6 mois, ça part. Ama tambi 6 mois là. C'est, en fait, l'amour CNRD et IFDG, c'est quand tu prends tombola, hein, les ballons en caoutchouc des enfants là. Tu donnes à un bébé, quand tu vois le bébé à ça, le bébé à Contaï, le bébé est content. Le bébé va être content. Il va, le bébé est là en train de jouer avec tombola là. Quand ça fait bon, après tu vois le bébé. Donc c'est ça l'amour IFDG CNRD. Alors moi j'ai pleuré, c'est dans le passé. Parce que je ne m'attendais pas qu'un malinqué venant de Cancan pouvait nous faire du mal. C'est ce qui me faisait mal quand il a été arrêté et puis je pleurais. N'est cassé. Je vais pleurer devant mes ennemis. Mes ennemis CNRD. Parce que je ne savais pas à l'époque que vous étiez mes ennemis. À l'époque, je pensais que c'était mes frères. Je pensais que ce sont les RPGistes frustrés. Mais nous, on n'a rien à voir. On n'a pas contribué à quoi que ce soit pour les empêcher d'avoir quoi que ce soit. Donc, on subissait déjà une pression, mon frère et moi, de l'IFDG, hein? De presque toute une communauté. Et puis après, les personnes qui étaient censées à nous soutenir, à nous dire, écoutez, rien ne va vous arriver sous notre mandat. C'est pas ça d'essayer qu'il peut nous prendre et puis quand ce que vous nous donnez, vous nous remettez à nos ennemis. Vous êtes malade. J'ai pas les nouvelles d'Ousmane, sauf que Aïe Mama dit, Aïe Bala Samoura Bolo, il paraît. C'est bien fait. C'est très bien fait pour Ousmane Nguéloué. C'est bien fait pour ma famille. Mes soeurs qui soutiennent CNRD. Je les ai dit, ne soutenez pas un pouvoir qui ne vous soutient pas. Ne soutenez pas un pouvoir dont vous ne vous sentez pas en sécurité. Qu'on est maçon. J'ai tout fait pour que Ousmane, il m'a dit carrément à Tibola, quand j'étais allé le chercher après le coup d'état pour qu'il sorte, il m'a dit, il y avait pick-up train, piste là, il y avait pick-up garé au niveau de la piste de l'aéroport. Ils ont tout fait pour que Ousmane sorte. Il va aller monter là-bas et puis il retourne pour ne pas qu'il soit arrêté. Nielo dit, net, j'étais au téléphone avec lui. Alma Nielo, non, c'est un têtu. Nielo est trop têtu. Donc c'est bon, c'est bien fait pour lui. Il mérite tout ce qu'il gagne de CNRD. Wallahi billahi tallah, il mérite. Et puis il y a des escrocs au sein du CNRD en fait. Des lâches qui n'aiment même pas Mamadi. Vous pensez aimer Mamadi? Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est l'aider? Vous pensez que vous l'aimez? Vous pensez que vous pouvez moi m'intimider? Vous pensez que vous pouvez passer par Ousmane me faire du mal pour me faire taire? Alors je vous dis, moi Fatounielo, sur la vie de mes enfants. Quand moi Fatounielo, tu cherches à m'intimider, je t'affronte. Dieu me donne la force en ce moment pour t'affronter, pour te montrer que tu n'es pas fort. La force là, c'est Allah. Donc j'espère qu'on s'est compris. Alors c'est ça. Je vais couper le live sur Facebook. Je reste avec les abonnés de TikTok ici. On va continuer. Le live de Facebook, on va couper. Voilà. Donc, Bala Samoura, si vous voulez tuer Ousmane, c'est ce qu'il mérite. Parce que il ne m'écoute pas. S'il m'écoutait, il allait épargner tous vos problèmes. Vous avez vu, moi, j'ai toujours gagné sur vous. Et je vais toujours encore gagner sur vous. Parce que moi, je ne bois pas de l'eau avec mon nez. C'est ma bouche qui boit l'eau. Voilà. Donc, j'en ai rien à foutre de l'intimidation de X, de Y. Voilà. L'arrestation d'Ousmane aujourd'hui a prouvé à Alpha Condé, comme on lui a dit qu'on est CNRD. Je pense bien, papa, à travers cette vidéo, comme vous voyez, vous avez vu que moi, je ne suis pas de CNRD.
Ousmane aussi, je ne pense pas, s'il est du CNRD, il ne peut pas les attaquer non plus. Ça, c'est une vérité aussi, parce qu'il y a eu des gens, vous savez, c'est ce qui même est entré entre nous. Je dis, Nielo ne peut pas attaquer CNRD. Vous m'avez dit qu'il faut, vous avez dit qu'il ne doit pas attaquer l'IFDG, l'opposition, de rester calme. Hein? Vous et certains cadres de l'IF et du CNR, du RPG. Maintenant, si vous dites que il ne doit pas attaquer, comment je vais dire, l'opposition. Je dis, il ne peut pas aussi attaquer le pouvoir. Il ne va pas l'attaquer. Et ça, c'est clair et net. Parce que quand il y a des problèmes, je sais, qui va endurer, qui va truquer les conséquences. Donc, tu refuses. Voilà. Il n'attaque personne. Il ne va pas attaquer X, il ne va pas attaquer Y. Il est sur les réseaux, il fait ses vidéos comiques. Hein? Monsieur Balthazar, Ousmane. Niele Balthazar, hein? Voilà, c'est bien fait pour toi. Donc voilà, il faut le garder plus longtemps que possible. En haute guillemets. Mais si vous pensez que non, au nom de ta magarode, à faire caillard au nom. Au nom mago, non ta magarode. Je vais vous montrer. Magarode. Je ne suis même plus guinéenne. Hein? Mon passeport guinéen là. Où va mettre? Attendez. Magarobé. Excusez-moi. Je ne suis plus guinéenne. Ça fait un an, j'ai ça, depuis novembre. L'année passée. Je ne suis plus guinéenne. Je suis américaine. Et j'ai refusé de prendre la double nationalité parce que je sais que mes problèmes ne vont pas finir. Vous avez compris? Mes problèmes ne vont pas finir. Problèmes politiques. Tu es qui pour que j'ouvre mon passeport? Tu es malade? Va ouvrir le de ta maman, toi qui as dit ça. Parce que je suis là, j'ai été polie. Mais comme il y a des gens ici, là, et j'aime pas quand je suis polie, ils adorent quand je dis les gros mots. Vous connaissez ma bouche, non? Ma bouche, là, quand il s'agit de parler bien, je parle bien. Quand il s'agit de venir aussi dire les gros mots, je peux le faire. Donc, si vous voulez... hein? Voilà. Donc, c'est ça. Alors... Bala Samoura, garde Ousmane si tu veux tu le tues, si tu veux j'en ai rien à foutre. Et je vais juste vous dire, Mamadi Doumbouya, je refuse, je ne vais pas soutenir un pouvoir qui m'a condamné, n'té. Tu as compris? N'té. Voilà. Donc si vous êtes fâché, Altinanko américain, je suis avec mes enfants ici. Nyalo n'est pas mon enfant. Nielo est mon petit frère. Mais vous savez, tellement que je me suis battue, tellement que j'ai parlé à Ousmane, tellement que je l'ai dit, en fait, je veux tellement qu'il soit dans mon esprit, il m'écoute, il a refusé, il ne m'écoute pas, que j'en ai rien à foutre de tout ce qui va arriver maintenant. Parce qu'il ne m'écoute pas. Tous ses combats, il perd, parce qu'il est bête, parce qu'il n'aime pas écouter. Moi, je vais toujours gagner mes combats. Inch'Allah, parce que moi... Je sais que le CNRD, ce sont mes ennemis. Le CNRD ne m'aime pas, donc je ne les aime pas. J'en ai rien à foutre. Voilà. J'ai eu mal parce qu'avant, je pensais que j'étais aimée par vous. Je pensais que, voilà, c'était juste un truc de vite fait, machin. Mais après, je quitte, vous me condamnez. Je viens ici. Maintenant, j'ai attendu que vous avez fini votre décision. Vous m'avez condamné, j'ai fait mon live. Parce que si j'avais fait mon live, avant de quitter, avant que je ne sois condamnée, puis vous sachez que je ne suis pas au pays, je suis sortie, vous n'allez pas me condamner. Mais j'ai joué dans votre esprit, j'ai voulu en comprendre. Moi, je ne suis pas échelle de quelqu'un. Je ne suis pas échelle de qui que ce soit. Personne ne va monter sur moi pour traverser. Personne ne va me sacrifier, moi. On se sacrifie l'un pour l'autre. Quand je sais que toi, tu es prêt à mourir pour moi, je serai prête à mourir pour toi. Mais le cas échéant, je refuse. Et c'est ce qui s'est passé entre nous. Vous avez voulu nous sacrifier. Vous avez pris les Nielo. Vous avez donné les Nielo à leur ennemi. Et maintenant, je viens dire mon bébé, c'est l'Odale. Il y a les gens qui m'ont appelé. Fatou, Nicole, il va la déconner. Il te retrouve pour la intelligence artificielle. Bon, pourtant, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un cri de cœur. Il y a un cri de cœur.
Al-Kanneni, les gens m'ont insulté, m'ont traité de menteuse de tous les noms d'oiseaux. Mais n'a la balan n'est la keleke. Tu n'y as bravo bero. Hein? Mais n'a l'y a fait comme un yomouke. Nous confondons l'intelligence artificielle. Et c'est ça. Et puis quand je dis c'est mon bébé, ça vous fait mal. C'est mon bébé. En tout cas, c'est lui qui allait retirer sa plainte. Donc c'est mon bébé. Si il allait me chercher comme troisième femme là, sincèrement, je l'ai accepté. Ah oui? Je refuse, mais sali. Agnon, vous êtes malade. Almankende. Donc je pleurais parce que j'avais mal. Parce que je pensais que les gens là, ce sont mes frères. Je pensais que CNRD, c'était mes frères. Je ne pouvais pas imaginer qu'un fils de Kankan, un malinqué, pouvait nous faire du mal, nous les Néleux. Je pouvais imaginer qu'une autre communauté pouvait nous faire du mal, mais tout sauf un fils né dans le Mandingue qui peut nous faire du mal. Donc c'est pourquoi je pleurais à l'époque. C'est pourquoi j'étais dessus, choquée. L'IFDG, une bonne partie de l'IFDG, les 98% des militants étaient sur nous. Et les seuls, mon seul espoir, Alpha n'est plus au pouvoir. Hein? Mamadi est venu prendre Alpha, il a récupéré le pouvoir, il est là, tout ça, je dis, what? Et c'est vous qui voulez nous donner à nos ennemis, et aujourd'hui vous êtes ensemble. Moi j'ai gagné, one second, moi j'ai gagné. Depuis quand tu as la nationalité? Bon, d'abord, moi, je suis venue ici avec les papiers. Je suis rentrée ici avec un regroupement familial par le mariage. Donc, je suis rentrée 2 semaines après, j'avais ma green card de 10 ans. Et le 22 décembre 2024, je vais faire 4 ans depuis que je suis rentrée. Je suis rentrée aux États-Unis le 22 décembre 2020. Voilà. Donc, le mariage, tu fais 2 ans et quelques mois, là. Tu appliques ton passeport et puis tu l'as. Donc, c'est ça. Et quand j'étais allée en Guinée, il y a eu des gens qui ont dit, ah, elle n'a même pas de papier. Ah, elle est expulsée du pays. Je suis américaine, je n'ai plus un passeport guinéen. J'ai refusé. Le passeport a expiré. Je suis allée, je dis, non, je prends ça. Parce que ça, là, ce qui est écrit ici, là, c'est on te dit, le citoyen, et c'est les nouveaux passeports, hein, pour ceux qui ont les nouveaux, là, ça, c'est les nouveaux passeports. Give me one second. Ils vont te dire le citoyen, ils vont te dire ici, ce qui est écrit ici, là, ils te diront, le propriétaire de ce passeport-là, tout crime commis, laissez-lui rentrer dans son pays et il sera jugé, condamné. Voilà. Donc ça, c'est ma protection. Après la protection divine que Allah. Après Allah, c'est ça. Donc je ne suis plus guinéenne. Vous ne pouvez rien contre moi. J'en ai rien à foutre. Mangez Ousmane. Hein. Si vous voulez découper les mêmes. Il ne faut même pas lui tirer une balle dans la tête. Il mérite tout ce qu'il traverse. Wallahi, il le mérite. Wallahi, il le mérite. Wallahi, ma famille le mérite aujourd'hui. Mes soeurs qui sont dans l'esprit CNRD là. Aïcha, celle qui me ressemble là. Hmm? Celle qui avait fait vidéo, qui revendait sur la page de Ousmane et la Benjamin là, les deux là, hein, qui sont du CNRD, j'ai tout fait, je les ai dit, elles ne m'ont pas écouté. Elles étaient à Farana, à l'intérieur, tous les trucs là, elles sont tout le temps en déplacement là-bas. Hmm? Elle laisse ses enfants avec ma mère là-bas. Elle fait campagne partout avec CNRD. Donc, mes soeurs, ma famille, vous méritez ce que vous êtes en train de traverser. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis avec mes enfants, j'ai épargné. Et moi, je ne serai jamais laissé de qui que ce soit pour qu'on monte sur moi et puis traverser. Donc, les amis de Facebook, merci vraiment. Voilà, Bala Samoura. Et bonsoir. C'est ton petit, non? Niel est toujours ton ennemi ou quoi? Voilà. Donc, gardez-le, mangez-le, tuez-le. Faites tout ce que vous voulez de lui. Moi, Fatoumé, I don't care. J'en ai rien à foutre. Mais ce qui est sûr, vous ne pouvez pas moi m'avoir. Vous ne pouvez pas moi non plus m'intimider. Et si vous me poussez à révolter ici, sur la tombe de mon père. Vous savez, je ne dis pas la tombe de mon père. Et puis, voilà. Je vais laisser le boulot ici aux États-Unis. Je vais venir m'asseoir. Mamadi Doumbouya, sur toi. Moi, je ne connais ni Paul ni Pierre. Donc, wassalam. Bien fait pour Ousmane Niélé.
Thank you.